go pour la séance cardio. On y va. Allez, c'est bon. 12 minutes de travail au total, d'accord. Tu nous as vu. Je te tire, tu viens vers nous, t'es obligé de la faire. T'es obligé. Je ne peux pas repartir. Et avant de commencer à transpirer, est-ce que tu t'es abonné? Est-ce que tu as mis les notifications en place? Fais-le maintenant là, tac tac, on le fait tout de suite. Bim bim, et hop, c'est fait. Prends un tapis si t'as besoin, nous on n'en a pas pris, mais tu peux en prendre un parce qu'on va être un peu au sol quand même de temps en temps. Donc si t'as besoin pour les genoux ou même pour l'appui des mains, tu peux, ok? Tes baskets, tu fais attention que ça glisse pas chez toi. Et on est parti. Petit échauffement. Allez, c'est allez, parti. Let's go. Donc, aujourd'hui, option difficile avec moi. Tu cours et sinon avec moi, sans les impacts, montée de genoux. Ok. Il faut que je trouve mon bon endroit, tu vois, parce que là, c'est bon, il n'y a pas de branche, je peux le faire. Allez, tout de suite, on attaque direct. Jambe droite en arrière, hop, une petite fente, clac, on revient, jambe gauche en arrière, petite fente. Prends le temps. Donc là, si les fentes, ce n'est pas trop ton truc, tu peux te mettre proche d'un mur, te stabiliser grâce au mur, prendre un manche à balai, ouais. Prendre une chaise, ok. Le manche là, à balai, c'est le bâton 3000. Ouais, c'est... C'est génial. Perfect. Donc vraiment, n'hésite pas, ok. Allez, on repart avec la course au montée de genoux. Ah, on déverrouille un petit peu ça. Moi, je respire par le nez. Un petit peu le cœur. Je me mets en place pour monter mon cœur un peu parce que je sais que ça va être chaud. 10 minutes aujourd'hui. Cours. Intense. Intense. C'est 12. On descend. On revient. On Hop. Marche. Tac. Tu restes ici. Pose les genoux. Si tu peux, tu maintiens. Tu pousses bien dans les mains. Tu restes en planche. Et tiens sur les orteils, bien sûr. Hop là, bien sûr. Voilà. Évidemment. Et tu repars en arrière. En squat. Tac. Tu remontes. Les bras au-dessus de la tête. Tu fais ce que tu peux. Tu reviens, planche, hop, tu poses les genoux si besoin. Tu poses dans les mains, actif, au niveau du gainage. Hop, tu remontes, un petit dernier. Pour la route. Et on sera chaud patate. Bien. Comment ça va se passer pour aujourd'hui? Tu vas avoir 3 minutes d'effort, 3 blocs comme ça de 3 minutes. Ouais. Ok, Etienne, tu peux nous lancer le chrono. Ouais, 9 minutes en tout, tu vois, avec la petite récup, 10 minutes, ce sera bien. On va être nickel. Et on enchaîne avec le premier mouvement, un squat. Tu restes en bas sur ton squat. Clac. Une fois que tu es en bas, tu te déplaces sur le côté comme un crabe. Et après, tu sautes. Ou sans l'impact, tu seras avec moi. Tu essaies juste de monter Attention. Sur les orteils. Okay. Un, let's go. Donc, squat, hop, côté, hop. Hop, extension. Ou saut avec Étienne, à toi de voir. Mais tu essaies d'aller chercher bien haut. Hop. En bas et en haut. Vraiment amplitude complète ici. Tu as 25 secondes d'effort, ok? Et après, on passe directement au mouvement suivant. Mais c'est pas évident ce petit pas latéral là. Hop, hop. Ok, mouvement suivant, tu es en planche. Fente alternée, tu alternes droite, gauche. Sinon, tu peux être sur les genoux, tu amènes un pied, tu reposes, tu amènes l'autre pied. Si c'est compliqué pour toi de faire ça, tu restes en planche statique. Tu maintiens soit sur les genoux, soit tu peux tester un petit peu sur les orteils. Ok, à toi de voir. Si tu as envie de quand même le faire avec les pieds sur les genoux, tu peux. Hein. Tu y vas. Wouh ! Le genou et t'alternes. Alors, ça chauffe ça ou pas ? Ça m'a mis dedans direct. direct. Hein ? Ça enchaîne pendant 3 minutes là. Hein. Allez. Allez, le squat. Hop, l'extension. Squat, extension. Mais on est tout le temps sur les jambes. C'est... Affreux. Allez, allez. Eh ben, on les veut, ces kilos en moins ou pas? Ouais, est-ce que toi, tu les veux, tes kilos en moins? Eh ben, ça se mérite, hein. Allez, allez. J'ai absolument pas de jambes. Aujourd'hui, c'est un jour sans jambes. Et ouais, il y a des jours où, bah, c'est plus dur que d'autres. C'est pour tout le monde pareil, hein. Allez, go. Tac. Donc, rappelle-toi, soit je pose genoux, je pose pied, soit je reste en planche statique sur les genoux, soit... en planche statique sur les pieds, ou tu peux alterner option avec Étienne, option avec moi, ok? C'est tout à fait possible. Et moi, je commence à déjà saturer. On là, t'avait dit. Un tour après. Hein. C'était intense. Allez. Dernier tour, ok? Oh là là, oh là 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 là. Comme quoi, t'as vu, en moins de 3 minutes, on peut vite être dans le jus. Hein. Eh oui. Hop. J'ai absolument plus de jambes. Et c'est ça le bonheur. Un petit pas sur le côté
Essaie de regarder droit devant toi quand tu es sur ton squat. Hop, décolle les talons. Allez, accroche-toi. Ça arrive bientôt. Garde ton petite amplitude là. Hop. T'arrives bientôt à la fin. Hop. 5 secondes, on passe au sol. J'ai plus envie de parler. Bah, parle plus. Mais je parlais pas déjà en fait. Allez, go. Un pied, droite, gauche, t'alternes. Ralentis si besoin le rythme, mais surtout ne t'arrête pas, ok? On préfère que tu passes chef. Sur les options, que tu ralentisses le rythme, mais tu ne t'arrêtes pas. Allez, allez, accroche-toi, accroche-toi. Hop, hop. Ah, moi, ça chauffe trop. Ah, bah voilà, on prend les options un petit peu. Bah oui. C'est bien. Allez. Ok, salut. Oui, ça m'aura mis directement dedans. Ah, quand on fait les choses bien, tout ça change la donne. On a une petite minute de récup. Et là aussi, c'est mon petit plaisir parce que c'est Etienne qui fait les options. Donc, je lui ai mis un truc sympa. Tu vas venir sauter, jambes tendues. Avec la main opposée, tu touches que tu peux, genou, la cheville, le pied, d'accord? Hop, et après, tu enchaînes une fente latérale. Tu reviens de l'autre côté, fente latérale, d'accord? T'as vu un peu, je suis le laboratoire de test, moi. Saut, et ainsi de suite, ok? Tu switches, sans les impacts, même chose, tac, on ira plus tranquille. On fera la même chose, mais sans sauter, ok? Concentration de l'extrême. Si tu vois pas ma jambe qui monte très haut, c'est pas grave, hein. C'est normal. C'est pas le but, c'est vraiment tu mets une petite impulsion, tu tends la jambe ou pas, qu'elle soit fléchie, c'est pas très grave, ok? Le but, c'est d'y aller et de foncer. Allez. Allez. Touche. Ouh. Fente. Touche. Oh, mince. Fente. Je me perturbe déjà. Je sens que je vais prendre un pied dans la tête. Tac. Tu alternes. Si t'as besoin de ralentir le rythme et que t'es pas en même temps que moi ou en même temps qu'Étienne, c'est pas grave, ok? Fais ce que tu peux à ton rythme, mais fais-le. Allez, attention. Ok, pour la suite, on passe en planche. On passe à quatre pattes sans poser les genoux et on repasse vers l'arrière en planche. Tu plies, tu ramènes, soit lent avec moi, un pied après l'autre, soit avec Étienne. Et si ça, c'est trop dur, eh ben, de temps en temps, quand tu reviens, tu poses les genoux, tu repars en planche, tu reposes les genoux. T'as vu, là, je te donne plein d'options, donc à toi de voir. Soit tu gardes les genoux dans le vide et t'alternes, je tends, je plie, jambe droite, jambe gauche, soit, option, je pose le genou. Ouh. On repart, kick, fente, kick, fente. Allez, go. Tac. Donc, tu fais ton max, tu restes concentré. Là, si t'es sans les options, vraiment, tu viens chercher les amplitudes, hein, sur la fente, sur les kicks. Pense à contracter la cuisse quand tu tends la jambe, ça c'est important aussi. Sois engagé, actif dans tes mouvements. Ok, planche, je t'ai dit que je ne parlais plus. Hein. Planche, position quatre pattes. Allez, planche, genou, je plie, je retends. Une jambe après l'autre, les deux en même temps, les genoux posés. À toi de choisir. Ce sont tes résultats. Reste bien gainé tout le temps. Hein. Et si on peut, on accélère un petit peu le rythme, hein. Même si on est sans les impacts, on essaye d'y aller le plus vite possible. Dernier tour pour celui-ci, accroche-toi. Je veux rester là. Allez, le dernier. Hop, fente, hop, fente. Tac. Et si tu as envie de temps en temps de tester un petit saut, eh ben teste. Vas-y, tu peux le faire, d'accord? Ne te dis pas, non, j'en suis sûre, je vais pas y arriver. Est-ce que tu as essayé au moins? Ouais? Eh ben, essaye. Et après, on en reparle. Go! La planche. Allez, dernier, après la pause. Allez, on y va. Pam, 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 pam. Ça y est, les jambes sont carbo. Ah, ça y est, carbonara, c'est ça? Carbonara. Option. Option pour moi pour continuer. Allez. Allez, lâche pas. Option, je pose genou, je tends, je tends, je pose genou. Je tends, je pose genou. Mais tu lâches pas. Oh yeah. Tu as vu là, à chaque fois, tu as des options. Donc prends les options, ok? Est-ce que j'ai le droit de m'allonger? Non, c'est trop dur. J'arrête là, j'abandonne. Non, fais les options, c'est fait pour. C'est fait pour évoluer et justement, à un moment donné, arriver à faire les options avec impact. Eh oui. Allez, petite minute de récup, je bois un petit coup.
On n'a pas dit que c'était 15 minutes de récup avant de partir? Toujours plus. T'avais dit que c'était intense, hein. C'est intense et c'est ce qu'on recherche, tu vois. On fait pas semblant, hein. On est là avec toi. On pratique à fond pour que toi aussi t'ailles mettre cette intensité. Peut-être que t'arrives à maintenir l'option difficile tout le long. Génial. Super. Mais est-ce que tu vas assez vite du coup? Est-ce que tu mets assez d'intensité? Essaye. Stop. Le mouvement. Ok, j'arrête. 1, 2, 3, jump. 1, 2, 3, jump. D'accord? 3 genoux, un saut. 3 genoux, extension sur les orteils. Ok? Voilà, c'est bon. 1, 2, 3, hop. 1, 2, 3, hop. Ok? Avec ou sans les sauts. Ah, je reçois des gouttes de transpiration d'Étienne. Qu'est-ce qui me dit que c'est pas Étienne? Il n'y a que toi qui transpires comme ça, oui. Ici. Hein. Allez, allez, continue. Hop, hop, hop. Bien haut avec les genoux, d'accord? Si tu es sans les impacts, essaye de les monter. Hein. Ok, la suite, c'est loaded beast ou plank. Ça donne ça. En planche, tu écartes un petit peu les genoux, tu pousses les fesses vers l'arrière et tu reviens en planche. Tu plies, tu reviens. Tu plies. Tu reviens. Si c'est pas possible, tu poses les genoux, pose de l'enfant, d'accord, fesses vers l'arrière et tu reviens en planche sur les genoux. Tu pousses les fesses vers l'arrière et tu reviens en planche sur les genoux. Hop, et t'alternes. Pareil, rapide. Hop. Allez, maintenant que t'as compris le truc, genoux au sol ou pas, tu plies, tu tends, tu fais attention à ton dos, tu rentres le ventre, tu poses dans les mains. Ah ouais, il y a plein de choses à penser, plein de choses à faire. Hein. Allez, allez, accroche-toi. Genoux, gauche, droit, et t'alternes. Droite, gauche. Hop, 1, 2, 3, hop. Allez, 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 rapide, rapide sur les genoux. Mets l'intention, de la volonté sur l'extension, même si tu fais pas de saut. Hop, 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 hop. Allez, encore, 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 encore. Bien, en bas, loaded beast ou plank. Genoux ou pas. Et tu peux alterner. Une fois, je fais les genoux décollés. Une fois, je le fais genou au sol. Une fois décollé, une fois au sol. Ça aussi, c'est totalement possible. Hein. Ça y est, les jambes sont gorgées de sang. Ça chauffe, ça brûle. Le lactique est là. Tout ce qu'on aime. Bien, dernier tour. On lâche pas. Le dernier. Allez, 1, 2, 3, jump. 1, 2, 3, jump. Allez, allez, lâche pas. Donne tout, il te reste pas longtemps. Moins d'une minute d'effort et c'est terminé pour aujourd'hui. Allez, 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 let's go. Un petit saut, on peut le mettre le petit saut ou pas. Même si ça décolle de pas beaucoup. Allez, c'est la fin, essaye avec moi. Allez, tu essayes. Good. Loaded beast to plank. Allez, on se remet en place. On pousse les fesses en arrière, on ramène les épaules au-dessus des mains. En option genoux. Pareil, hein. Même si tu as les genoux posés sur le sol, tu ramènes bien les coudes au-dessus des mains. Les coudes et les épaules au-dessus des mains. Hein. Allez, hop, le dos bien droit. Moi, je pense pas à mes jambes qui sont congestionnées à fond. Pense à rentrer le ventre. Active et transverse. Yes! Fini! Wouh! Wow. Est-ce que t'as vu comme transpire Étienne? Je goûte. C'est bien, j'espère que toi aussi. Dis-nous, est-ce que tu transpires autant? Dis-nous en commentaire là. Oui, je transpire, j'en peux plus. Non, c'était trop facile. Comment ça se fait? Ouais, dis-nous comment ça s'est passé. Et surtout, tu sais très bien que pour atteindre tes objectifs, tu dois aller dans l'intensité et te dépasser. Il faut que tu arrives à sortir de ta zone de confort. Tout ce que tu fais, si tu es dans ta zone de confort, ça marchera pas. Ça marchera pas, il faut sortir. Pour réussir à t'en créer une autre. Mais n'en dis pas trop. N'en dis ouais, pas mais trop. j'ai envie. Pourquoi? Parce qu'on t'explique tout dans le pack de transformation. On prend le temps, on te détaille tout, on t'explique comment perdre du poids vraiment, sans faire de régime, sans avoir de frustration, sans faire des heures de sport, d'accord? Plus de gras, c'est fini, on enlève la petite gras. C'est là. Gratuit, hop. D'accord? Tu cliques sur le lien et tu l'as directement dans ta boîte mail.